tranquilo, hein? Pourtant, quand même, vous avez vu, vous m'avez pas dit, ça vous plaît? Hein? J'ai changé de look, j'ai la frange. Ça y est, Mado, j'ai trouvé le régime de ma vie, tu sais. Je vais faire le régime dissocié. Dissocié. Je te la revois un mois après, j'ai dit vite, rassocie-le. Il me serrait. J'ai dit, ah, mais regarde là. Ne me sers pas comme ça, là, tu me sers à rien. Si jamais on a le temps, je sais pas, hein, peut-être. Mais j'avais pris notre tenue pour faire un petit peu de chauve-bins, mais je sais pas, hein, je voudrais pas m'imposer parce que non plus. Si. Volontiers. Concentration. Ventilation. Avec les mets, ils appellent ça les tortillas. Toi, t'es allé au cours de perfectionner la langue. T'étais avec moi, non? Hein? Alors bon, c'est pas non plus ton Rossi Freddy, hein? Mais en attendant, quand je lui fais ça, mon Albert, il me fait Banderas de suite! Oh, malheur! Il y a des dames qui ont des maris qui rentrent dans la salle. Il y en a pas. Vous êtes toutes célibataires, hein? Des fois, même, il me faisait des ratés. Comme ça, le vécu, hein? Ça vous rappelle des choses, hein? Tu sais quand ça s'est aggravé, ce problème de ronflement? Moi, je crois savoir quand ça s'est aggravé. C'est quand il y a eu le problème de la semaine des 35 heures, tu sais. Albert, il travaille à la mairie, tu sais. Déjà qu'il ne savait pas quoi faire des 30 heures. Économique que ça peut vous rendre service, hein? Moi, je me mets de gnocchi, tu sais. Pas trop cuit les gnocchis. Hein. Comme ça, ça te prend bien la forme de l'oreille. Tu sais. Les gnocchis, ça coûte rien. On le fait à la pomme de terre, ça coûte rien. Hein. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça te fait le bouchon. Il a fallu que j'aille voir les spécialistes de l'oreille. Là, comment ça s'appelle l'oreillologue. Mais en attendant, depuis que je mets le gnocchi, j'ai la frite. Notre matin de ce soir. Merci beaucoup.